Fréhour, mon vieux, vous avez raté un grand moment sur la sexualité des roues. Je pense qu'on va faire de l'audience. Ouais. Alors, comment ça s'ouvre, ça? Bon. C'est ouvert, le voilà. Oui, alors, hier, ils nous ont montré un truc. Alors, ensuite, t'as ça. Oui, mais comment tu fais? Hop. Et hop. Ah, mesdames, et voilà. Eh ben, oui, donc, oui. Eh ben, moi, hier, quand j'ai posé la question, on s'est rendu compte que personne ne le savait, en fait. Personne ne l'avait fait. Moi, je crois que je changerais de bagage. C'est-à-dire, j'achèterais des bagages plus petits. Des petits sacs. Des sacs de supermarché. Non, mais c'est pas mal, ça, ce petit truc qui soulève, en fait. C'est très astucieux. C'est très astucieux. Attention tes lunettes. Patrice disait, on est passé finalement de l'expression de la puissance automobile qui était dans les capots, s'exprime maintenant dans les roues. Quoi. C'est vrai que toutes les voitures, même une Dacia, c'est surdimensionné en roues. Mais on perd en confort en plus, parce que généralement il y a moins d'épaisseur de pneus. En abattibilité surtout aussi, ça prend une place folle. En rayon de braquage, les voitures, le poids des voitures qui s'est accru de 50% en 10 ans, qui fait qu'on est obligé d'avoir des grandes roues pour supporter la masse au centimètre carré. Mais quand même, les roues sont excessivement grandes. Voilà. D'accord. Et alors, un mot quand même, tu as conduit cette voiture dans les Virolos pendant 2 heures hier. Tu as un très mot. Agréable. C'est très. Ouais. Alors, je suis un amoureux. Vas-y, assieds-toi. Oh, c'est joli ce tissu, ça. Ça, c'est chic, ça. Oh, ça, j'aime bien ça. On dirait un costume. J'aime bien ça. Non, ouais, ça, c'est très chic, ça. Mais ouais, on dirait un costume un peu en flanelle, c'est joli avec le... C'est une voiture. Ils ont du goût, il y a des trucs, c'est too much, mais... Tout est fait pour flatter l'œil. Vas-y, assieds-toi, dis-moi. Alors. Viens te mettre de l'autre côté, monsieur le Premier ministre. Mets-toi bien dans le fond. Je ne peux pas être bien. on ne voit plus, vu mon gabarit. Non, mais comme je n'ai rien raconté hier, on va dire c'est lamentable, monsieur Rouboudi, comme d'habitude. Donc toi, tu vas me raconter un peu. Donc tout est fait pour flatter l'œil. Tout est fait pour flatter l'œil, c'est quand même un chef-d'œuvre de design. Ouais. Je ne vais pas tester la troisième place, tu viens derrière avec nous. Patrice, quand même 1m95, c'est la taille idéale. Pourquoi ça change de couleur? Attends. Vas-y, ouvre-moi ça. Regarde le changement de couleur. Les gens s'en foutent, mais on est dans un état de santé déplorable. Oui, hein, on est très malade, on n'aurait pas dû être là aujourd'hui. Alors, le changement de couleur, comment tu fais? C'est comme sur le Countryman familial. Non, tout est fait pour... C'est regarde, voilà, t'appuies là. Un chef-d'œuvre de séduction. Ouais. Alors, les enfants, moi, ils adorent jouer avec ça. Hein. Ouais. Non, mais on est d'accord. Alors ça, je vois déjà les commentaires. C'est n'importe quoi. Ça coûte 300 balles. C'est une option groupée. BMW a tellement honte du prix de ses options qu'ils ne sont pas sur le dossier de presse. Ouais. Alors, je sais même pourquoi. Les roues sont en option. Je sais pourquoi, parce que le dossier de presse aurait pesé 3 kilos. Mais moi, j'ai quand même eu le sentiment hier en la conduisant, c'est très bien insonorisé, c'est très doux, que ça, c'est un petit, le caractère s'est un peu lissé, mais dans le bon sens du terme. On a l'impression de conduire presque une voiture compacte. Oui, c'est vrai. Hein, et alors, le 3 cylindres est d'un agrément que j'adore. C'est un petit bruit. Pour moi, c'est, je raconte ça à chaque fois, c'est les mêmes tessitures qu'une Porsche. Le rythme cyclique est le même. T'entends ça, vous entendez ça, le rythme cyclique, qu'est-ce que j'ai dit? Je vois ses paroles. Attends, on va se barrer, les clés, elles sont dessus. Hein? Ça c'est pas du tout. Non, ça c'est le diesel, ça n'a pas de sens. Ça c'est bien une preuve que Dieu n'existe pas. Faut pas l'acheter en diesel. Hein, non. Là ils ont voulu nous la faire essayer, mais Dieu n'existe pas. Je suis désolé, je veux pas casser. Non mais si. Mais faut pas l'acheter en diesel. Ça c'est une preuve que Dieu n'existe pas, parce que le diesel a des qualités. En sonorité, à part les 6 cylindres, BMW avait inventé le diesel 6 cylindres qui avait une musicalité il y a très longtemps. Qui m'avait valu 2 mois de permis d'ailleurs, c'est ce que je raconte, 2 mois de retrait de permis. Ah, quelle belle musique! On l'a testé, Oui, je roulais un peu vite à l'époque, mais ça m'a passé, je suis terrorisé aujourd'hui à 91 à l'heure. Voilà. Non, mais c'est une voiture qui est très belle, tout est pour le plaisir de l'œil et c'est extraordinaire. Mais tu es d'accord avec moi, hein, ça c'est un petit peu. Elle s'est élargie, elle s'est élargie. On a l'impression que tout est un peu plus. C'est un petit peu moins typé de j'ai trouvé. C'était très dur avant, quand même. Ça faisait partie du jeu, mais c'était un peu dur. Aussi confortable. Moi, je l'ai trouvé très agréable hier à conduire. Bon, en fait, elle est sympa. Ah non, mais il n'y a rien à dire, voilà. C'est ce qu'on disait, on a commencé comme ça, il n'y a rien à dire. Hélas, j'ai du mal à avoir une réflexion supplémentaire que le produit lui-même, quoi, tu vois. Ben déjà, c'est une voiture qui parle par elle-même physiquement, c'est une voiture qu'on a envie d'avoir. Ouais. Et je ne crois pas qu'un avis négatif sur la voiture empêchera quelqu'un d'avoir envie d'avoir. Oui, bien sûr. Oh là là, d'accord, je me vois mal de dire, il ne faut pas acheter ça, c'est dur. Ça vaut un bras quand même, entre 25 et 30 000 euros.
Ils ont dit qu'en revanche, c'est marrant, ils sont malins. Hein. Ils ont dit qu'elle avait une super tenue en occasion. Oui, c'est vrai. Que c'est très malin. En disant que la valeur de revente, la valeur résiduelle, comme l'on dit, pour rassurer votre banquier, la valeur résiduelle est telle que vous n'y perdrez pas. C'est ça, c'est bon. C'est devenu un marché très étroit. Ouais. Très ils ont été incapables de nous donner les chiffres de vente de cabriolet hier. Incapables, c'est qu'ils ne veulent pas les donner. Mais puisqu'ils sont très très bas, je pense que c'est moins de 1000 par an. C'est un créneau étroit, le cabriolet. Oui, mais eux qui vendent 1000 voitures, mais quel est globalement, on vend combien de cabriolets en France? Le marché du cabriolet, il a c'est quoi? C'est 20 000 voitures? C'est 15 000? Oh non, je pense qu'il c'est, il est, le marché du cabriolet, je ne vois pas, parce qu'il y a des découvrables. Ouais, comme si on achète des DS3 et tout ça, c'est peut-être à 10 000. Mais c'est des découvrables en plus. En fait, la seule, c'est la Coccinelle, il ne voulait pas en parler, qui est plus grande. Qui se vend bien, mais la Golf cabriolet ne se vend pas. Ouais, n'existe plus. Ah si, il y avait les hausses là. Mais... Non, mais il y a la gauche. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le MX5, tu sais, détient 20% du marché du cabriolet. Non, non, c'est un marché avec... dommage. C'est très agréable de rouler les cheveux au vent quand on a des cheveux. Ouais. Alors, tu nous avais dit une chose, moi j'ai beaucoup de mémoire. Ah, c'est pas l'endroit. Non, mais tu m'avais dit, souviens-toi, avec justement la BM, tu avais dit rouler la nuit, sentir les odeurs de l'herbe. Oh, et les étoiles dans le ciel. C'est beau, ça, mais il y a des femmes qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais donnez-moi les coordonnées de ce monsieur Vergès. Adepte du cabriolet depuis 25 ans. Avec un cabriolet, c'est pas l'endroit où on va qui est important, c'est la route que l'on prend. Ouais, ça je suis d'accord. Et ça, voilà. Bon, et bien voilà, ce sera le mot de la fin.